Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Marathon, cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer vos propres applications Lite afin de gagner un espace de stockage interne sur votre appareil Android et par conséquent permettre à votre appareil de fonctionner ou de tourner dans de bonnes conditions. Alors les détails, c'est après la pause. Alors, direction Play Store et on va installer une application dite Hermit, Hermit Lite Application Browser. Donc, où elle est disponible, bien sûr, gratuitement. Une fois installée, donc on va y accéder. Voilà donc l'interface. Voir comment créer une application Lite. Une application Lite est une application qui est moins gourmande en espace de stockage. Ça veut dire que c'est une application dont la taille est tellement inférieure. Par exemple, l'application WhatsApp nécessite un espace de stockage de 300 mégas. Mais une application Lite WhatsApp ne nécessite que entre 10 et 15 mégaoctets. Même chose pour Messenger qui nécessite 200 et l'application son application Lite ne dépasse pas 10. Aussi pour YouTube et d'autres applications. Donc voilà, maintenant on sait l'avantage de créer d'une application Lite. Donc elle permet de gagner un espace de stockage sur l'appareil et par conséquent lui permettre de fonctionner en pleine performance. Voilà donc l'interface de notre application pour créer une nouvelle application Lite. Donc on touche sur le signe plus. Et voilà donc elle nous propose les applications pour lesquelles on peut créer une application Lite. Elle nous propose Facebook, Messenger, Reddit et ainsi de suite. Supposons qu'on souhaite créer une application Lite de Facebook. Donc on touche dessus, on attend. Voilà donc l'application a été ajouté. Voilà pour l'avoir. Donc on touche ici et voilà donc on a ajouté l'application Facebook. Alors on touche ici, on peut voir que on peut la partager, on peut l'ajouter à l'écran d'accueil comme on peut la désinstaller, remove. Donc on va l'ouvrir. Pour l'ouvrir, on touche l'utiliser et l'ouvrir, on touche ici. Maintenant voilà, il me propose une adresse mail et mon mot de passe pour me connecter. Alors une fois que j'ai installé une application Lite de Facebook, donc je dois automatiquement désinstaller l'application normale installée sur mon téléphone. Ainsi j'ai donc pu gagner de l'espace de stockage. Donc même chose, on peut le faire avec d'autres en touchant ici toujours plus. Donc je vais par exemple faire même chose pour Messenger. Donc je le touche. Ah là, c'est déjà créé. Pour l'avoir, donc on la touche ici. La voilà. Donc les applications Lite qu'on installe se trouvent ici. On les trouve dans l'application à l'intérieur. Je vais vous montrer enfin comment, donc où il faut les trouver. Alors pour l'ouvrir, même chose, je la touche. Et voilà, il me propose l'adresse email et le mot de passe pour me connecter. Même chose, je dois désinstaller l'application Messenger normale que j'ai sur mon appareil. Alors maintenant, on va voir comment créer votre propre application Lite. Ça veut dire une application que je ne trouve pas ici. Alors c'est très facile. Cette fois-ci, il faut aller sur l'onglet Create Your Own. Et là, vous allez donc entrer le nom de l'application recherchée. On va mettre par exemple YouTube. On va voir YouTube. Puis on va toucher aller à pour rechercher. Et voilà, tout ce qu'il faut faire maintenant, il faut toucher sur le signe de téléchargement ici. On va le faire, le voilà. Create, donc, puis on va toucher Create a Lite App. Maintenant, on va revenir à l'accueil pour trouver donc nos applications. Lite application qu'on a créée. Et voilà, donc j'ai trois applications. Ça c'est la librairie, ma librairie des applications Lite que j'ai créée. J'ai créé donc une application Lite Facebook, Messenger et YouTube. Alors cette fois-ci, pour utiliser par exemple l'une de ces applications, je l'utilise directement à partir de là pour YouTube. Donc je touche ici et me voilà directement sur YouTube.
Alors, comme on a vu pour les autres applications, maintenant, il faut supprimer l'application YouTube installée sur votre appareil. Ainsi, donc, vous avez vraiment gagné un espace de stockage sur votre appareil. Alors, voilà, pour trouver vos applications Lite, vous touchez toujours ici. Vous pouvez ainsi ajouter. Alors, pour utiliser les applications Lite que vous allez créer, vous êtes obligé de passer par l'application. Donc, en touchant ici l'application, et là, vous allez trouver donc vos applications. Là, vous avez vos applications Lite. Si vous souhaitez ici créer ici les settings, ici vous pouvez inviter vos amis à utiliser cette merveilleuse application. Si vous touchez ici, vous avez la possibilité soit de partager l'application avec vos amis, de l'ajouter à l'écran d'accueil de votre téléphone ou de la supprimer ou la désinstaller. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine fois.